Bonjour, vous êtes sur la chaîne de Crut Amandine et nous sommes ici pour le tirage du 27-01 Janvier. Je ne sais pas comment on dit en espagnol, c'est pas grave. Alors, ouais, je suis un peu pâle, pourtant j'ai enlevé mon masque. C'est parce que moi j'ai vraiment mes règles en fait. Je l'ai vu grâce au tirage, d'habitude je suis jamais au courant quand j'ai mes règles. Alors, 4 d'épée. Le hiérophante. Hiérophante. Ah non, on a dit que c'était que pour les deniers. Le 3 d'épée. Wow. Allô? Allô? Le diable. Le 9 de baguette. Allô? 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 Ah. Allô? Alors, et 3 de pentacle à l'envers. Nous venons de la mort à l'envers. On se transforme à son rythme. Et la tempérance à l'envers. Alors je pose un bon coup de fil parce qu'en fait la personne ne m'entendait pas. Si c'est quelqu'un d'entre vous, merci de me rappeler parce que je ne peux pas appeler. Alors, donc on a vu transformation à l'envers. Je suis en train de me transformer mais à mon rythme. Et je vais vers la tempérance à l'envers, vers la fin d'un travail sur soi, vers la fin du... De l'attente aussi, de la patience et de la... presque de la compassion envers ce qui n'est pas à notre niveau aussi. Donc on commence avec un 4 d'épée, comme si c'était acquis. Y a quelque chose... Cette transformation, gérer à mon rythme, ça c'est acquis, c'est décidé, c'est bon, il n'y a plus à... Mais quand je vois la ligne du haut, 4 d'épée, hiérophant... 3 d'épée, c'est comme si vous apprêtiez à légaliser quelque chose qui allait entraîner une blessure. Enfin, je pense pas que ce soit à vous, très bizarrement. Enfin,
enfin peut-être le fait de blesser, du fait de blesser. Voilà. Qu'est-ce qui est la ligne du bas, le diable. Ok, j'ai tout capté, j'ai tout compris, tout est clair, limpide. Je reste sur mes positions, 3 de pentacle. Il y a encore du travail à faire, il y a des liens à nourrir pour que ça soit quelque chose de faisable. En tout cas, 4 d'épée, qu'est-ce qui vous emmène vers le diable? Le 10 de pentacle à l'envers. Intérieurement, ok. Je suis à ma place, mais ça manque de... C'est pas assez formel pour que ça tourne à l'avantage de tous, en même temps que du mien. Et pourtant, vous l'êtes vraiment, ce 10 de pentacle. Si c'est à l'envers, c'est soit parce que vous avez encore besoin de prendre soin de vous, de votre autonomie, ou soit au contraire, de plus penser en matière globale. Mais du coup, le diable, j'ai l'impression que vous vous remettez à... Le diable, c'est l'intelligence... Oh ! Non, Perle, Perle, t'arrêtes. Perle, tu descends. Peux-tu, s'il te plaît, arrêter d'exciter tout le monde ? Arrête ! Tu arrêtes, Perle ! Tu descends ! Tu descends ! Voilà, merci. Toujours quand la vidéo, Perle, elle va là. Et puis elle fait là. Donc je disais, le diable, c'est l'intelligence suprême. Rien ne nous atteint. On voit les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles peuvent être. C'est un peu le the master of the game, c'est le maître du jeu. On ne peut pas duper le diable. Oh ! Perle, arrête ! On ne peut pas duper le diable. Le diable peut duper qui veut, mais on ne peut pas le duper. Donc, quelque part, il y a quelque chose qui vous permet de superviser tout le tout. Encore cette grande, intérieurement grande prêtresse. Tout ça, c'est intérieurement, extérieurement, on ne vous voit pas du tout en grande prêtresse. Vous dites, putain, j'aimerais bien savoir ce qui se passe. Donc, je vais me concentrer. Et boum, hiérophante, quelque chose se formalise. Et ouais, en fait, c'est comme si vous traduisez en acte ce qui se passe à l'intérieur de moi. Ok. Intérieurement, le magicien. Ouais, demain il se passe aussi des trucs magiques, je pense. Vous avez l'impression que tout est possible, que tout peut redémarrer, mais ça reste, comment dire, c'est comme si la magie était dans votre tête. Enfin, pensez-vous. Il y a une rétrogradation intérieure. Grande prêtresse, je sais, j'ai le sachoir. Et magicien, je m'en fous de sachoir. Je manifeste, je crée. Donc intérieurement, le fait de formaliser vous permet de retourner à une forme de créativité. 9 de baguette, je reste sur mes positions. Qu'est-ce qui vous emmène au 3 d'épée, As d'épée à l'envers. J'ai aucun signe, j'ai peut-être quelques signes qui me font croire et penser que peut-être, peut-être. Euh,
quelque chose va marcher, quelque chose va fonctionner, mais il y a quelque chose sur lequel je ne suis pas assez sûre pour lancer l'idée. Je suis obligée d'éclaircir ce 3 d'épée. Cavalier d'épée. Je marche seul. Je marche seul. Qu'est-ce qui vous emmène de ce 3 d'épée vers le 3 de pentacle? Le roi de pentacle. Et intérieurement, vous dites c'est bon. Vous, intérieurement, vous passez quand même du 10 de pentacle à l'envers au roi de pentacle. C'est-à-dire, vous doutez un petit peu d'être le centre d'un schmilblick et en fait, à la fin, vous n'en avez plus aucun doute. Mais ça passe par un 3 d'épée. Voilà. Une carte sur ce 3 de pentacle à l'envers. Deux de coupe à l'envers. Oui. C'est comme si vous lâchiez quelque chose pour être plus indépendant. Parce que vous savez que vous avez le mental fait pour. Mais que du coup, ça vous permettait aussi de vous consacrer au travail de l'évidence, c'est-à-dire œuvrer pour débusquer les évidences. Deux de coupe, évidence. Deux de coupe à l'envers, bah, je vais travailler sur ce qui me semble évident, ce qui me semble vibrer. Il y a du possible. C'est comme si, voilà, il y a des choses qui ne vont pas me faire vibrer. Et il y a des choses qui vont me faire vibrer. Je vais vers ce qui a la possibilité de me faire vibrer. Allô? 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 Mon téléphone déconne complètement. Donc on peut me parler, mais moi je ne veux pas répondre. Alors, l'autre. Désolée, hein, je suis un peu. Oh, cavalier de coupe. Trois de coupe. C'est pas du tout la force à l'envers. C'est pas un mauvais tirage, hein. Je tiens à le signaler. Cavalier de bâton à l'envers. C'est juste moi, je suis un peu. En fait, quand j'ai mes règles, je perds beaucoup de sang et je perds beaucoup d'énergie. C'est direct. 5 de denier. J'ai déjà pas beaucoup de sang dans les veines. À l'envers.
Et l'as d'épée. Le penduche à l'envers. Il y a des trucs que j'ai pas compris, en attendant, qui va vers un 6 d'épée. Bon, cette personne a des choses à vous offrir. Envie de célébrer l'abondance, se canalise, cela dit. Surtout si vous, pendant ce temps-là, vous êtes en 3 d'épée, du genre j'ai pris une décision, on voit avec ce 4 d'épée, je ne reviendrai plus sur quelque chose. Cette décision est tellement réelle que j'en prends acte. Ça a des conséquences. Alors. Elle canalise quoi? Le magicien à l'envers, le manque. Mais en dessous, la personne ne fera pas de compromis. Il y a des choses. Elle est prête à relancer les dés du destin. Et elle a de très bonnes idées. Cette personne est prête à. Voilà, il y a des trucs qu'elle ne veut plus revivre. Hein. 5 deniers, s'il y a des trucs que je ne veux plus les revivre. Mais quand le 5 denier est à l'envers, c'est bon, allez. On a quand même de l'espoir, entre guillemets. Et là, d'autant plus que c'est suivi d'un as d'épée, cette personne, encore une fois, a des idées. Ouais, une idée, en tout cas, à l'esprit très clair. Et résolue à aller vers quelque chose de plus lumineux. J'ai envie de dire, vous êtes assez en symbiose. Pour certains, c'est carrément le fait d'avoir cette offre qui vous. Ah, qu'elle dépayse, quoi. Enfin bon, qui vous. Ça vous va, c'est bon. Alors, on se comporte en reine de pentacle, concreto. Concrètement, de bâton. Bon, écoute, on va attendre un petit peu pour la prochaine étape. Because j'ai mes rêves. Et cavalier de baguette à l'envers. Bon, écoute, ce qui compte, c'est que moi, je reste moi-même. Je ne vais pas me battre pour des broutilles. En attendant, je ne peux pas vraiment faire de compromis non plus. C'est bien, vous êtes sur la même longueur d'onde. Mais vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Enfin, vous êtes différents, vous n'êtes pas les mêmes, mais vous êtes sur la même longueur d'onde. Bravo! Je ne vais pas vous faire écouter de chanson parce que... Ben, parce qu'en fait, je crois la prochaine, il me semble, elle est un peu longue. Attendez. Non, je sais pas, c'est laquelle. Ah ben non, mais j'ai pas. Mais non, mais je suis con, je peux pas. J'ai pas allumé la. Si c'est pour ça. Je m'en suis rendu compte en faisant la vidéo. Je ne peux pas parce que je n'ai pas ouvert le lecteur sur l'ordinateur. Et tant que je fasse, ça va prendre du temps. Donc voilà, on a du retard, mais c'est pas grave, ce sera deux marches. Et si je vais mieux, parce que là, je suis vraiment. Malheureusement et tout, je vous ferai un tirage spécial Fantomec. Je vous dis armoire à bien trop. J'espère que ce tirage vous aidera à bien réagir, à bien vous comporter par rapport à ce qui arrive, à ce qui se passe. Je vous dis armoire à bien trop. Je l'ai déjà dit. Bisous.